Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une vidéo, donc un point météo assez rapide. Voilà, un point sacré point météo. On voit que mon département est en vigilance rouge. Alors pour ma part, c'est la première fois que je vois mon département en alerte rouge. Durant ces années précédentes, ben, j'ai jamais vu mon département en rouge. Donc voilà, pour moi c'est la première fois. Donc c'est pour ça, c'est vraiment... Moi, je pense que ça va être de plus en plus courant parce qu'avec le réchauffement climatique, avec les températures qui remontent l'été, etc., etc., réchauffement climatique et tout, je pense que ça va être de plus en plus courant malheureusement. Donc, c'est température caniculaire. Donc, voilà, bah, on a l'Ardèche aussi qui est en vigilance rouge, la Haute-Loire et le Rhône. Donc, malgré ces fortes chaleurs, on peut voir qu'il y a eu quelques orages. Donc là, vous voyez, donc au niveau de la Lozère, le Gard, et aussi, vous allez voir, je vais vous montrer vite fait, on a eu des petits orages. Voilà, vous voyez sur l'Ardèche, on a eu quelques bourgeonnements. Donc ça a donné quelques averses ainsi que quelques coups de tonnerre sur le plateau ardéchois. Et là, bah, on peut voir que les 40 degrés ont été dépassés dans la vallée du Rhône. Vous voyez, donc sur Valence. Voilà. 40,5 degrés. Ça, c'est la température qui a été relevée à 17 h. Donc voilà. Donc après, les températures, bon, vous voyez que les températures sont beaucoup plus fraîches en direction du nord. Donc par exemple en Bretagne, en Normandie et les côtes bretonnes, etc. Donc voilà. Donc cette chaleur va persister jusqu'à ce week-end avec un arrivée d'un air plus frais, accompagné d'orages. Donc c'est ce que je souhaite le plus. Donc voilà, bah derrière ces orages, la température devrait chuter. Donc en moyenne 23 degrés l'après-midi. Après voilà, ça sera un point à faire. Ça sera peut-être un autre point météo à faire. Donc là, bah, ce que j'attends le plus, ce sont les orages. Voilà, que normalement c'était prévu vendredi. Donc finalement les orages seront présents plus sur les Hauts-de-France, la Normandie. Donc nous, ça sera toujours de la chaleur jusqu'à voilà, bah, jusqu'à samedi, dimanche. Et après, bah, normalement, bah, de nouveau les arrivées bah, des orages. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, je vous présente cette carte. Vous voyez donc les températures qui ont dépassé les 40 degrés. Donc vous voyez la basse vallée du Rhône, 42 maximum. Donc hop, on va faire défiler les journées. Donc les journées, ben voilà. Donc là vous voyez que les nuits seront chaudes. Donc les températures ne descendront pas. Alors apparemment descendront pas en dessous de 30 degrés. Donc c'est ce qu'on voit. Donc 5 h, voilà, 5 h du matin, 24 degrés. Vous voyez, mercredi matin. Et après, bah, la température il remonte et c'est reparti pour un tour. Et là, on voit que dans le sud-ouest, donc le Pays Basque, on peut voir que les températures, pareil, ils vont nettement partir en hausse. Là, les températures, ils seront vachement caniculaires. Donc jusqu'à 42, voire 44 degrés. Donc par exemple dans les Landes. Donc là, ça va chauffer. On peut le voir. Et ensuite, bah, jeudi. Voilà, à partir de jeudi, température commence un peu à baisser. Je dis bien un peu parce que dans la vallée du Rhône, vous pouvez le voir, il va encore faire 38. Et ensuite, à partir de samedi, ben, les températures y baissent, vous voyez. Donc voilà, on va retourner dans des valeurs estivales, enfin, dans des valeurs de saison. Voilà. Et après, ben, c'est parti. Après, voilà, ce sera le 1er septembre. Donc après c'est à voir, ça va, voilà, ça va se confirmer. Donc apparemment, bah, samedi, peut-être retour des orages. Donc voilà les gars, bah, je vous remercie pour moi les gars, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de point météo. Voilà, ça fait peut-être un an je pense d'ici là. Voilà, donc n'hésitez pas, ben, à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre donc, pour ces prochains jours, à surveiller les orages. Donc voilà,
Et surtout prudence par rapport aux incendies, parce que la Drôme est en vigilance orange pour aussi pour les incendies. Voilà, et soyez prudents notamment dans le sud, en Ardèche, peu importe où vous êtes. Voilà, soyez prudents les gars, hydratez-vous. Et moi, ben, je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Et les gars, on se dit à la prochaine. Merci à tous et à bientôt.